Bienvenue sur le portail Mon Espace Famille. Ce service de la communauté de communes du Pays du Coquelicot vous permettra de vous inscrire ou de vous réinscrire à l'école de musique et aux ALSH, accueil de loisirs sans hébergement. Le portail est accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone à l'adresse paysducoquelicot.com/espace-famille. Dans ce deuxième tutoriel, nous allons voir comment créer un espace famille. Pour créer votre espace personnel, vous pouvez cliquer sur ce bouton « Créer mon espace ». Un texte de bienvenue s'affiche et vous pouvez alors commencer la démarche. Vous devez lire et accepter les conditions générales d'utilisation du service. Cliquez sur le bouton « J'accepte les conditions générales d'utilisation » et cliquez sur « Suivant ». J'indique ma civilité, le nom usuel, le nom de naissance si différent, mon prénom, la date de naissance, le pays de naissance, le département et la commune. Vous pouvez aussi charger une photo, si vous le désirez, pour votre espace personnel. Ce n'est pas obligatoire. Je clique sur « Suivant » et je complète mon adresse. Ici, les indications « bis »,« terre ». Vous avez une aide à la saisie avec bon nombre d'adresses qui sont déjà dans notre base. La commune et le code postal s'affichent donc automatiquement. Les moyens de contact, le mobile et le courriel. Vous pouvez spécifier votre moyen de contact préféré. Ici, j'indique le courriel. Je suis à l'origine de cette demande, donc on me demande un identifiant ainsi qu'un mot de passe à confirmer. Si le service vous a déjà créé votre espace, vous avez reçu par mail un identifiant et un mot de passe. Je mets donc mon identifiant, mon mot de passe, je le reconfirme. Le service Clé Enfance vous sera communiqué ultérieurement. Il vous permettra de lier votre compte Jeunesse ou votre compte Musique si vous avez des inscriptions dans les deux services. Le contrôle de sécurité, je clique sur le graphique, ici cette icône, et je valide. Ma demande a bien été prise en compte et un courriel va m'être envoyé. En ouvrant ma boîte mail, j'ai donc un email qui vient d'arriver de la communauté de communes pour la création de mon espace personnel. Bonjour monsieur Antoine Coquelicot, la demande de création a bien été prise en compte et donc je dois activer cet espace en cliquant sur ce lien. Cette page m'indique que mon espace a bien été créé avec le nom d'utilisateur Coquelicot Antoine. Je peux donc d'ores et déjà accéder à mon profil. J'indique donc mon identifiant, ainsi que le mot de passe renseigné. Une page d'authentification s'ouvre alors avec la clé de service. Vous pouvez valider sans vous préoccuper de cette clé, elle vous sera envoyée ultérieurement. J'ai donc accès à mon espace personnel avec mon identité, mon adresse, mon numéro de téléphone ainsi que mon mail.